Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour les énergies de ce mercredi 30 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. On terminera avec le message de ton âme. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé yin et yang à l'endroit. Donc c'est la passivité et l'action, l'intuition et logique. Alors cette carte, elle représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui eh bien, qui influe présentement ou cesse d'influer sur votre vie. Alors cette carte, je l'ai pigée à l'endroit et elle annonce le cycle du yin, où la majorité de l'action semble eh bien, se produire sous la surface des choses. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une période... Eh bien, on pourrait dire de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Ça peut être une gestation, pas forcément d'un bébé, n'est-ce pas? Ça peut être une gestation d'un projet et que vous êtes vraiment très réceptif et vous avez beaucoup d'intuition. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. Eh bien, c'est un moment particulièrement bon pour achever un projet, pour achever une chose que vous avez mis en place. Ça pourrait être aussi boucler cette boucle. Vous avez peut-être un projet que vous travaillez depuis longtemps, eh bien il est temps de le boucler. Vous avez tous les éléments en votre faveur pour terminer ce projet. Vous avez bien examiné le pour et le contre et je dirais même que vous avez demandé conseil, ce qui a été de très bon pour vous, parce que les conseils qu'on vous a donnés, eh bien ici, vous permettent maintenant eh bien, de boucler cette boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors, on vous invite à être ouvert à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Donc voilà, yin et yang, c'est une carte qui est positive, n'est-ce pas? Si maintenant, vous avez eu des projets familiaux, vous avez eu des projets au point de vue professionnel, eh bien voilà, ça arrive à terme et il faut boucler, voilà, il faut boucler que ça soit familiaux, professionnel ou même dans votre vie personnelle, n'est-ce pas? Donc boucler, c'est le moment, yin et yang sont là. Et on vous dit plutôt que de faire. L'affirmation, je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Mais bien sûr, tout est en vous. Il suffit... Oui, vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, oui. Il suffit de reconnaître que tout est en vous.
Donc voilà, c'est une carte qui est positive pour ce mercredi, hein, les énergies de ce mercredi. Et je vais piger une carte dans Message de ton âme. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc voilà, laissez mourir ce qui n'est plus nécessaire et ce qui n'a plus sa place, évidemment. Donc ça, c'est le message de votre âme. Encore une fois, ça va parler à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Peut-être que demain, la carte que je vais piger vous parlera plus et que celle-ci ne vous parle pas. Donc c'est évidemment encore un tirage général, n'est-ce pas? Des énergies de la journée. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.